Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Darkest Dungeon. Et on se retrouve avec deux nouveaux personnages blanches. Pourquoi blanches? Parce que ça me fait penser un peu à la série avec les Disney là. Ouais, voilà. Vous avez compris. Et James. Bon, on va pas se faire un dessin. Voilà. Pour ceux qui savent et qui savent à quoi ressemble James maintenant, ben voilà, elle ressemble à ça. Alors, là, je vous ai promis le petit boss, et évidemment, c'est ce qui va se passer, puisque j'ai accès au boss de la tanière. Élimine le prince porcin. Un aventurier brisé parle d'une bête si effroyable que le peuple porcin en a fait son seigneur. Ce n'est peut-être qu'une rumeur infondée, mais cette menace ne peut être autorisée à s'étendre. Et voilà, donc je vais pouvoir... C'est une moyenne, donc c'est là où nous avions perdu la dernière fois. J'espère que je vais mieux m'en sortir cette fois-ci. Et du coup, nous allons prendre Deadpool. Non, attendez, d'abord, on va voir... Non ! On va voir d'autres personnages. Je pense que je vais prendre Tony Stark. Giovanni aussi. Giovanni. Ouais, Giovanni. Je vais prendre Aïl, Triss. Je vais mettre tout derrière. Et ouais, allez, on prend Deadpool. J'aurais bien pris quelqu'un. Non, allez, on prend Deadpool. Ça va être Deadpool qui va faire le début et le dernier épisode. Dernier, peut-être pas, hein. On fera peut-être autre chose. En plus, il y a un masque pour le lépreux, donc ça tombe bien. Ouais, toi, je vais te mettre là. Et Deadpool, je vais te mettre ici. Quel est ce bruit? Ah! Bon, brut et truand. Ouais, mais c'est dans l'ordre. C'est dans... Ouais, non, c'est pas dans l'ordre. Bon, brut et truand. Ok, plutôt pas mal ce setup. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, tiens. Bon, brut et... Ouais, bah ok. Et qu'est-ce que ça me rapporte, au juste? Aucune idée. Mais alors là, aucune idée du tout. C'est pas grave, le setup est bien. On regarde si on n'a pas des objets intéressants. 40% à la maladie pour Docteur Lapès, on s'en fout. Occultiste, on s'en fout. Fury, on s'en fout. Bandit. Plus 8% de dégâts, capacité à distance, moins 20% de résistance à l'étourdement. Je vais te le mettre. Il faudra juste pas que tu te fasses étourdir, mon poney. Mais... Abomination, on s'en fout. Docteur Lapès, on s'en fout. Et ça, plus 10% de dégâts, pas mal. Moins 4 d'esquive. Bah écoute, mon gars, t'esquiveras pas, mais tu feras bien mal. Voilà. Il est maladroit. C'est pas très grave. Moins 5 d'esquive. Ah oui, il t'esquivera pas du tout, toi. du coup, on peut pas voir combien il a d'esquive. Si, esquive 0, voilà. Et si on te l'enlève, t'as 0 quand même. Allez, hop là, ça c'est fait. Du coup, tu perds pas d'esquive. Et c'est parti pour la tanière. Alors, la tanière, on va prendre de la bouffe, hein, beaucoup. On va tout prendre. Allez, on dépense tout le fric. Allez, allez. Hop, on prend... non, peut-être qu'une seule pelle. On va prendre pas d'antivenin, deux bandages, deux... Ah ouais, on en a déjà un, donc on en prend qu'un seul. Deux comme ça, pareil, on en a un. Et des torches à volonté. Voilà, ça devrait suffire. Après, j'ai plus de sous, alors... Et c'est parti pour le boss. Les voies et les rituels de sacrifice du sang sont difficiles à maîtriser. Mémoire de l'ancêtre. Ceux de l'au-delà requièrent un vaisseau physique pour pouvoir passer dans notre réalité. Le minutage exact des chants est impératif. Sans les bonnes tensions à intervalles précis, le processus peut échouer de manière spectaculaire. Très bien. Donc ça, c'est la mémoire du porcin. Pourquoi 1? 1 sur 3, c'est le premier boss sur 3 boss, je pense. Une abomination sans nom. Une preuve de mes échecs. Il faut la détruire. C'est ce qui arrivera. Et alors, le setup est dégueulasse, par contre, le setup de la map. Il va falloir peut-être... Ou on fait comme ça, et on fait comme ça. Ou on fait... Allez, on va... Allez, en ligne droite, on va monter puis redescendre. Je pense qu'on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Ah,
un chariot à provision. Donc le chariot à provision, on va lui mettre 2 herbes médicinales, allez. Ah, ça purifie et... Ouh, j'ai masse bouffe, c'est bon ça. C'est très très bon ça. De l'or, des breloques et des colifichets scintillants. Ouais, j'ai pas réussi à tout lire. Et nous avons un petit combat direct, ils sont surpris. Plutôt pas mal. Alors, on va peut-être assommer celui-là parce que... Ah non, celui-là. Ah ouais, merde, je peux pas. Les deux là me donnent du stress, donc on va assommer celui-là. Saleté de porc! Meurs! Ok. Est-ce que je peux... Non, je peux pas attaquer personne. Hein. 8. Allez, on tente le coup. On tente le coup. Il est mort! J'ai bien fait de tenter. Toi... Allez, tire sur lui. Ouais, 5, c'est pas grand-chose. Hein. Et toi, essaye de le tuer d'un coup, je pense que... Oh non! Il a pas tué d'un coup! Eh! Crochet! Crochet! Aïe! Ouais, bah, c'est bon, t'es pas obligé de me montrer que t'as un crochet. Je l'avais vu déjà avant. Oui, très bien. Oh non, déjà! Oh putain, ils sont déjà grave en stress avant même de commencer. Bordel. Accroche ou ça... Non! Aïe! Ah tiens, l'esquive, t'as failli mes couilles, mon gars. Du coup... Non, ça sert à rien. Je vais assommer celui-là. Oh fuck. Come on. Du coup... tu le lui parce que déjà, on va... Éliminer une source de dégâts potentiels et lui tu me le tues. Meurs. Ça c'est fait. Ah. Ah. Pas bon ça. Pas bon, pas bon. Soigne ton stress. Écoute. Parce que je peux pas l'attaquer là. Il est au troisième rang et j'ai aucune attaque qui attaque au troisième rang. Et le problème c'est que c'est plus chiant en fait de tous. Aïe 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 aïe, arrêtez. Meurs. Oh fuck! Come on! Essaye d'éliminer un des cadavres. Ouais, bien. Ah là, je vais devoir l'éliminer avec le. Tu es mort! Tu es foutu, tu as plus que 13 points de vie. Deadpool! Putain, mais Deadpool, il est nul en vrai. Mais merde. Non! Giovanni! Giovanni, là, il a raté. Encore, assomme! Oh yeah! Ça a marché 2 fois d'affilée. Meurs! Mais c'est pas possible! Eh hey, les gars, arrêtez de manquer là, s'il vous plaît. Voilà. Détruis-les tous! Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Occultiste, on s'en fout. Une pelle, ouais, très bien, une pelle. Ah, mais d'ailleurs, le bon, la brute et le truand, hein. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé, Giovanni, et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Avec la perle. Tenez bon! Oui! Ici, il n'y a rien. Allez à la pièce suivante. Bon, par contre, on n'inspecte rien du tout dans les pièces. C'est problématique. Bon, les surprend, les araignées... Ça va, on va en faire qu'une bouchée, je pense. 7 points de vie. Oh non! Come on! Merde. J'aurais pu faire autre chose, mais bon. Allez, meurs! Voilà! Même pas, ils m'ont attaqué, rien. C'est du loot gratuit, ça. Les livres, on prend pas. On allume un peu la lumière. On avance, on continue, on continue. Doum! Un coffre. Enfin, des sacs. 500 balles, allez, hop là, gratuit. Aïe! Mais tu peux pas faire attention. Mon cul! Oh putain, par contre, Deadpool, il est dans la merde au niveau stress. Il est grave dans la merde. Ici, il n'y a absolument rien. Très bien. Mais c'est pas possible, mais regardez où vous mettez les pieds, bordel! On allume la lumière. Eh, hey, allume la lumière, j'ai dit. Oh là là, alors ça, j'en ai entendu parler. C'est pour invoquer un boss secondaire, mais
Ah, j'ai envie de le faire. Ah, mon dieu, j'ai envie de le faire. Il est dit, le sacrifice du feu appelle la ruine. Place une torche si le néant t'attire. Ah, ça m'attire, mais ça m'attire. Ah, bon. Allez, vous voulez le voir? Vous voulez le voir? Let's go. Et nous allumons la lumière. Waouh! 77 points de vie, cette obscurité infernale. Je ne peux pas voir où je mets les pieds. Les ténèbres ont pris le pouvoir sur notre monde. Allume la lumière. Ça ne marche pas. Fais-le saigner! Saigne, mécréant! Toi, t'es obligé d'avancer, du coup. On va le protéger. Oula, on entend des bruits de cochon derrière, là. Avance, obstiné. Qu'est-ce qu'il... Ouais, bon. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, il m'a fait saigner tout le monde. Eh, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi. Oh putain, il est en stress. Est-ce que j'ai bien fait? Non, j'ai pas bien fait. Je pense pas que j'ai bien fait. Je suis dans la merde. Je suis carrément dans la merde, les gars. On va soigner Deadpool. C'est le plus important pour l'instant. Il faut que mes gars tiennent bon. Ils ont combien de vie? 8 points de vie. Meurs. Oh fuck! J'ai besoin d'un bandage. Et je peux pas faire la mitraillette d'ici. Ah là là. Essaye d'attaquer lui. 5 points de vie. Résiste, résiste au saignement, évidemment. Toi, tu peux rien faire. Oh là là, bordel de merde. Infection, saignement. Allez, c'est le bordel. Passe marteau. Au moins, on saura comment s'en occuper la prochaine fois. Le cran de Deadpool est testé. Ah non, non. Bon, en même temps, c'est la base de... Non, ben non, Deadpool n'est pas parano. Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que si, il est parano, il... Bon. Allez. On va les tuer. Ah putain. Vas-y, décale-toi parce que ça m'énerve de que tu sois là en fait. Et ouais, toi tu. Je suis obligé de les déplacer parce que sinon. Mon cœur va éclater. Non, 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 t'inquiète pas, il va pas éclater. Meurs! Voilà, un de moins. Je sais pas ce qu'il veut. Oh putain, retrait ondulant, c'est ça qu'il est. Non, non, c'est pas ça qu'il. Ah si, c'est ça qu'il est flippant. Oh putain de merde. J'ai aucun moyen de l'attaquer. À part me heal, mais bon. Oh, critique de 7, pas mal. J'ai pas le choix, il faut que je me heal. Pince marteau. Putain, ils font mal, ils font très très mal. Est-ce qu'ils vont mourir? Non, non. 8 de dégâts. 8 de dégâts. Mourez. Essaye de le faire saigner. Il faut le faire saigner. Oui, saigner. Il ne restera plus de sang pour les sangsues. Bah, elles sont là, les sangsues. Oh fuck, qu'est-ce que je fais? J'essaye de le stun. Il a combien de étourdissement? 100%. Non, c'est mort. Je me heal. Allez. On lui fait un petit peu des dégâts. Je me heal en même temps. J'ai besoin d'un bandage. Oui, j'y peux rien, j'en ai. Non, t'as plus besoin de bandage en fait. Tu me casses les couilles. Allez, fais-lui. Ah ouais, non, 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 on va se soigner là parce que c'est pas possible. Je vais mourir si je me soigne pas. Pleurs déchirants. Eh, ne pleure pas. Oh non! Fuck! La lumière nous abandonne, mais pourquoi? Eh, parce qu'on n'a pas mis la torche. Oh putain de merde, je suis dans la grosse merde les gars. Le cran de triste est testé. Irrationnel, non. Je tiens la micelle à la main, j'en déchire un bout et je mange. Yam. Quoi? Non, 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 il va falloir que tu te déplaces mon gars, c'est pas possible. T'es pas du tout dans les bonnes conditions. Et toi, Ouais, ah là là, je sais pas. Soit je le tue lui. Ah, il fait mal, hein. Allez, je le... Oh non, il a même pas tué, t'es sérieux, là? Tue-le, tue-le, tue-le. Oh, putain de merde. Si vous esquivez tout, là, je peux pas. Il faut arrêter. Il faut un moment, il faut pas déconner.
Ah, ça me les a déplacés. Oh, ça me les a déplacés correctement. Ça, c'est cool. Bon, par contre, craintif. Bon, ben, on va en perdre. Nouvel épisode, nouvelle défaite. Oh, fuck. Come on. Ils sont tous en état stress total. Deadpool, il est sur le point de mourir. Et tu me portais donc. Ouais, on est foutu quoi. On est totalement foutu. Manqué. Please. Je suis vraiment. Aïe, ah, Saigne. Salaud. Salaud. Soigne-moi, Deadpool. Non. Tes bons soins vont affaiblir mon esprit. Fuck off! Soigne-moi, Tony Stark! Mon cœur va éclater! Mais oui, mais t'acceptes pas les soins, mon gars! Meurs, critique de 10! Dans ta gueule! La vérité l'emporte! Il ronge ma chair! Pathétique petite chose! Combattant jusqu'à la mort! Arrête de parler! Oh fuck! Meurs! 15 points de vie! Il lui reste 23 points de vie. Avant s'obstiner. Il passe devant son collègue. Tris agonise, évidemment. Je suis prête. Lumière. Non, il n'y a plus de lumière. Tu vas pas partir maintenant. Oh fuck. Allez, allez. Ah, Deadpool aussi, il agonise, j'avais pas vu. Oh chaud. Tu vas brûler pour ça! Au bûcher! La sorcière qui dit ça. Tris survit, Giovanni agonise aussi. Chaque route a une fin. Oui, ben je crois que là on est un peu mal barré. On est un peu dans la merde. Fais-le saigner. Oui. 18 points de vie, retrait ondulant. Oh là là, deux coups fatales d'un coup. Non, Giovanni, Tris. Crise cardiaque de Deadpool. C'est la folie. Prudence et mère de sûreté. Le premier d'une longue série de héros a tout donné pour te servir. Ouais, trois premiers. Tu as l'option de te retirer du combat et d'abandonner cette quête pour sauver les autres ou de continuer. Il reste plus personne. Il reste que Tony Stark. 18 points de vie. Vermisso, j'en ai rien à foutre. Combattons jusqu'à la mort. Pour la gloire. Bon, on a, tant pis, écoutez, on va perdre Tony Stark aussi, c'est presque inévitable. Oh, à moins qu'on fuit. Eh bien, on peut pas fuir la fin de mes tourments, enfin. Comment ça, t'étais pas bien avec nous? Retrait ondulant, agonie. Agonie. Soigne-toi. Tant qu'il avance pas, je peux pas l'attaquer. Mon fils sans vide. Ce marteau. Critique de 15, évidemment. Il agonise encore. Je devrais tous vous tuer. Crise cardiaque. Et c'est la défaite la plus totale. Plus de poussière, plus de sang. L'échec met à l'épreuve la résistance du cœur, de la tête et du corps. Non! Mes meilleurs combattants. Bon ben voilà, vous avez vu un boss avec la mort de nos chers amis. On va pouvoir d'ailleurs récupérer Tris et... Regardez. Hop 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 hop. Rien à foutre. Voilà. Vous me croyez mort? Je ne suis pas mort, je reviens d'entre les morts avec un nouveau équipement. Voilà. Et je ramène Tris avec moi. Allez, qu'est-ce que vous allez dire de ça? Bon, ils n'ont pas du tout les mêmes compétences, mais au moins, j'en ai sauvé deux sur les quatre. Une sœur de guerre, pieuse et infatigable. Non, pas ça. La roulotte, la roulotte. 20% de résistance au saignement. Ça ne sert à rien.
J'ai plus de sous de toute façon. Et voilà, bon bah c'est la fin de cet épisode sur une mort contre un boss. Bon, au moins vous avez pu voir ce boss qui n'arrive pas de partout, hein, pas tout le temps. On la voit pas à chaque map, donc bah, il fallait que je le fasse, hein, tant pis, il fallait que je teste. Et c'est la mort de Tony Stark qui est revenu d'entre les morts. La mort de Triss qui elle aussi est revenue d'entre les morts. Et la mort de Giovanni qui lui n'a pas survécu. Ainsi que Deadpool qui se balade sûrement dans les courants, hein. Il va revenir forcément. Mais voilà, Triss et Tony Stark sont de retour et bah, c'est terminé. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et je vais revenir au bureau, hein, pour faire toutes mes notes. Merci à tous, bisous, bye bye.